Cocteau, c'est ton ami. Soutiens-le dans la boutique et il sera ravi. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tester une map CSGO qui a été fait, ce qui paraît, sur du coup, bah, comment ça s'appelle, sur l'île créatif. Donc pour ça, vous allez sur l'île, faites F définir un code. Donc le code, il est là. Hop là, je vous l'affiche. C'est 5253. Bref, tout ça. C'est la Dust 2. Donc ouais, on va lancer ça tout de suite. Choisir une île. Hop là, c'est parti. On attend que ça charge. On se retrouve juste après. Et du coup, là, ça doit être chargé. What the fuck. C'est... What, je sais même pas où j'ai spawn, what the fuck. On est dans quoi là? On est où là? Eh oh! Ah, attendez, là c'est le middle là ou pas? Ah ouais, voilà, c'est ça. Wow, c'est trop réaliste. Du coup les gars, pour ceux qui savent pas, qui connaissent pas trop CSGO, c'est aussi où spawn les... ceux qui vont enlever, là, désamorcer les bombes, là, je sais plus exactement comment ils s'appellent. Parce que CSGO les gars, je vais pas mentir, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Hein. Oui Brad. Du coup les gars, on a des lamas ici, donc dans les lamas je pense qu'il y a des armes, ça paraîtrait plutôt logique. Alors qu'est-ce qu'on a dedans? Là on a tout ce qui est scar, tout ça, qu'est-ce qu'on a là-dedans là? Donc ça c'est pas mal, j'espère que ça reste du coup au fur et à mesure des games. Bon donc là bref, ça doit être comme ça partout, là on doit avoir des snipers, des pompes, des PM, bah non elles sont là. Ouais des pompes, bref. Voilà donc là on va dire on va prendre nos petits stuff, hop là vous prenez votre petit stuff je pense. Prenez une petite scar là, une petite scar si vous préférez. Oh là là, mais c'est des FAMAS, bien sûr, des FAMAS dans CSGO. Oh, les petites P90, voilà. Donc vous avez votre petit stuff, les gars. Mon nid, j'en ai rien à foutre. Donc là, on spawn ici, donc normal. Donc ça, on va ici. Donc là, normalement, là, il y a pour désamorcer la bombe, tout ça. Enfin, normalement, il y a un petit truc là. Ouais, bon, normalement, on met les bombes ici. Oh, ouais, normalement, les mecs ils peuvent nous sniper de là. Oh, mais c'est hyper réaliste en vrai. Parce qu'ici, il y en a qui se cachent des fois, hop là. Là-bas pour des... Ah ouais. Et là il y a le short là. Ah, le short est pas aussi large normalement. C'est un petit peu dommage. Ah ouais, il est un petit peu trop long mais... Reste quand même très réaliste les gars, je vais pas vous mentir, avec les petites caisses qui sont juste là. Si on peut sniper, voilà, exactement comme ça. Bon, ça... Forcément c'est un peu plus large que d'habitude mais ça reste quand même très bien fait. Là normalement il y a un escalier avec... Oh là là, c'est tellement réaliste. Là normalement... Alors les gars, si je me spoil pas, normalement juste en face après il y a un trou. Et à droite il y a un mur là. Ouais, c'est pas tout à fait comme ça dans la réalité. Ouais, ouais, bon. C'est à peu près comme ça, on va se dire. Normalement, il y a un truc pour monter, là. Ah ouais, donc. Qui est là, nettement plus facile à monter, d'ailleurs. Ah, normalement, tu passes par là. Hop, là, pour monter. Nice. Je pense qu'on va faire le tour comme ça, là. On va faire le petit tour comme ça, là. On va continuer, donc là. Nice. Normalement, à droite, tu peux te cacher. Bah, là, tu peux aussi. Est-ce que... Ah ouais, tu peux pas monter là-haut. D'accord. Ah ouais, stylé. Mais c'est grave stylé, en vrai. Donc là aussi, donc là, t'as le clan des ennemis aussi avec les lamas, bah oui je suis con. Il a quand même bien pensé à bloquer les portes ici, ouais, donc là c'est super réaliste, normalement il y a des petits trucs là, des palettes, ah non. Là c'est que c'est un petit peu loupé, il manque 2-3 petits trucs, ça c'est pas aussi long. Le couloir les gars il est pas aussi long là normalement. À la limite ce qu'il aurait dû faire c'est rétrécir un peu le couloir et couper là et faire un peu plus long là, enfin je sais pas. Je critique mais bien sûr. Par contre là j'avoue les gars, là normalement il y a deux portes, après ça doit être très difficile à faire deux portes qui se croisent comme ça les gars. Ça doit être très dur. Ah ouais, chaud. Ah ouais, donc là, t'as les mecs qui viennent directement de... Ah ouais. Et donc là, c'est là où campent les snipers pour la bombe. Ah ouais, d'accord. What the fuck. Ah ouais, donc ici. Du coup, les gars, on se retrouve directement dans le camp des méchants juste après. Tu fais genre de découvrir. J'ai pas compris, là. Tu fais genre, tu viens de découvrir. Bah ouais, je viens de découvrir la map. La map, j'ai vu ça tout à l'heure, en fait, sur un site. Sur un site, tu testes des maps. Tu testes des maps sur un site et puis voilà. Donc bah je teste tout simplement. Du coup bah je la découvre en même temps et puis genre, je vais en faire une vidéo sur ma chaîne YouTube. Du coup on en revient juste ici les petits gars. Bah du coup là c'est le camp des méchants où on réapparaît. Donc normalement il y a 5 spawns. 1, 2, 3, 4, 5. Donc comme dans la vraie vie. Donc là il y a les lamas. Je sais pas si on peut les détruire les lamas. Bon, ça ne marche pas mais d'ailleurs je pense qu'il y a le même stuff que là-bas. Ah bah tiens, il y aura le même stuff que là-bas. Donc là le basique là, basique ici. Donc là c'est pour rocher en B si je dis pas de conneries, si je m'en souviens de mémoire. Putain excusez-moi. Ah ouais donc là t'as les poteaux là comme d'hab. Ok. Est-ce que tu peux casser d'ailleurs? Tu peux pas casser donc tu peux pas construire non plus. Et donc là, ah ouais t'as les mecs là-bas, souvent là qui sont là-bas là, faut essayer de les détrôner. Ouais, bon il y a du mec là, il y a du mec les gars, on va passer par là du coup.
Ah ouais, t'as souvent des mecs qui campaient là en plus. Je sais pas si tu peux camper là. Ah non, tu peux pas. What the fuck. Par contre, tu peux pas faire ça normalement. Mais c'est stylé en vrai. Et donc là, directement, t'as le visuel là-dessus. Il me semble que c'était un peu plus long. Ah ouais, les mecs sont chauds qui ont créé ça. Hein. Donc là, on va rejoindre le point B du coup là. T'as la petite rampe comme ça. Normalement, il y a des échafaudages. Ah ouais, ils ont été faits. Stylé, stylé. Là, normalement, il y a une petite fenêtre ou un petit truc cassé, mais ça, tu peux pas le faire, c'est juste impossible. Et là, t'as les mecs qui désamorcent la bombe. Normalement, il y a des. Oh là, et même là, tu peux la poser là, la bombe. Oh là là. Ils ont pensé à tout, les gars, ils ont pensé à tout. Et du coup, bon, bah là, par contre, je crois pas que tu peux monter aussi haut dans la vraie vie, mais. D'accord. Et là, normalement, généralement. Ah ouais, mais c'est pas tout à fait vrai. Normalement, il y a une petite caisse là. Normalement, il y a une caisse là où tu peux sniper comme ça. Et là, je crois pas qu'elle y soit. Hein. Non, là, elle va pas te faire baiser. C'est tout ce que tu. Non, ah, non, tu peux rien faire du tout, d'accord. Et là-bas, il y a un petit coin des voitures là-bas. Ah ouais, prendre, j'ai pas vu ça là. Attendez, what the fuck. Parce que normalement, c'est pas tout à fait fait comme ça, mais il y a la voiture. Il y a la voiture, normalement, il y a la voiture. Et tu peux tirer à travers les carreaux. Je sais pas si c'est possible en vrai. Tu peux pas tirer. Non, tu tires dans la voiture. Ah ouais. Et là. Je m'en fous, je passerai. Putain, what the fuck. Bon, je crois que c'est pas possible de rentrer. De toute façon, il doit y rien avoir derrière. Ouais, de toute façon, c'est du vide, les gars. Mais ouais, donc la map, franchement, stylée. Si vous voulez, je voulais montrer comment trouver d'autres maps. Il y a pas, bien sûr, il y a. Ah yes. Ah ouais, mais ça y est pas dans le jeu ça. Ouais, mais what. C'est quoi ça. Mais ils ont cheaté, c'est rien à voir. Oh t'imagines si tu te mettais là, mais c'est. Sauf s'il y a une mise à jour dans le jeu de CSGO et que je n'étais pas au courant les gars. Mais what. Du coup bah franchement très belle map. Est-ce que je peux pas voler. Bah attendez, on va réapparaître, on va l'avoir dessus les gars. Et juste avant que je réapparaisse, donc le petit site les gars, c'est ce site là, donc vous avez plein de maps, donc vous avez Dust, MM2. Un tas de maps qui est juste incroyable. Bon, il n'y en a pas encore beaucoup, mais ça va arriver. Mais des maps quand même qui sont très longues à faire. Hein, parce qu'on va pas se mentir, même si il manque 2-3 trucs, c'est des maps qui sont ultra longues à faire. Parce qu'il faut penser à tous les détails. Et autant vous dire que c'est super long à faire. Donc de haut, elle donne ça. Et franchement, je la trouve super bien faite. Hein. Elle est très très stylée. Hein. Surpris. Très très surpris. D'ailleurs, j'ai pas compris. Là, il arrivait à faire les portes entre-ouvertes, mais il l'a pas fait là-bas. Je sais pas pourquoi. Et du coup, c'est très stylé. Du coup, les gars, n'hésitez pas à me donner votre avis par rapport aux maps. Si ça vous dit aussi que je découvre d'autres maps, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, je suis vraiment surpris par. Il y a des mecs qui ont vraiment un talent pour créer. Moi, je sais que j'aurais pas la patience, j'arriverais pas à mettre les bonnes choses au bon endroit. Donc voilà. Bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus. C'était Cocteau.